Ok. Je veux simplement profiter de ce moment pour accueillir les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc, donnez tout ce que vous avez et vous aurez une chance pour le prochain match. Bienvenue à tous. Amigo, c'est à toi maintenant. Et bonjour à tous les petits Phoenix, j'espère que vous allez bien, ici Yaya Phoenix et on est sur une toute nouvelle épisode. Ma carrière sur FIFA 23, enfin. Ça fait un petit moment que je voulais la présenter vu que j'avais pas le jeu, et ben là maintenant je l'ai. Avant de commencer cette vidéo, je tiens particulièrement à vous remercier du soutien que vous m'apportez sur chaque vidéo. Vos petits pouces et vos petits commentaires me font énormément plaisir. Alors cette carrière, on va la commencer dans une équipe qui s'appelle Duntal FC, une équipe qui est en division République d'Irlande. C'est une équipe qu'on n'entend pas beaucoup parler. Et voilà, je tiens à commencer cette carrière dans cette petite équipe. Alors je vais vous montrer aussi dans les paramètres. Je joue durée d'une période de 4 minutes et en niveau difficulté champion. Alors, après vous me dites pourquoi il n'y a pas la musique, parce que sur ce FIFA, pour éviter les droits d'auteur par rapport aux musiques, il y a le mode stream. Du coup, c'est pour ça que il n'y a pas de musique en ce moment même. Et là, pour commencer, je vais faire un entraînement. Je vais d'abord simuler les entraînements. Pour vite faire le premier match. Tac. Alors, notre poste c'est arrière droit. On a 68 de général. Hop, mon pro. Attendez. Hop, on va continuer. Voilà, pourquoi arrière droit? Parce que quand je jouais au foot, c'était mon poste. Jouer à droite ou à gauche, plus souvent en droite. Et pourquoi le 14? Pourquoi le 14? Eh ben, parce que c'est mon numéro préféré. C'est pas parce que c'est mon numéro de foot, hein. C'est mon jour de naissance, mon jour préféré, mon numéro préféré. Tout simplement. Et oui, quand j'étais au foot, quand je jouais au foot, je portais soit le numéro 2, soit le numéro 3, mais c'était plus souvent le numéro 2. Hop. Alors, on va améliorer la physique. Hop. Tac. Les interceptions, le tacle debout et l'attaque glissée. Tac. Et on va mettre la réactivité. C'est très important. On est monté à 70 de général. Tac. Ah. On a oublié de faire ça. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est plus tard. Et là-bas, en République d'Irlande, le championnat commence en... commence en février.
Tac, on simule, on simule. Hop, les scénarios défensifs. Hop, nous avons quoi là? Calendrier. Hop, on va aller simuler jusqu'à cette date. On joue contre Kalmar, pardon. Et on joue défenseur droit et on rentre à la 60e minute. Et on gagne 1-0. Ça y est, c'est le changement et c'est l'événement. Il va faire ses débuts en pro. Un grand moment dans sa carrière. Dans sa tête, c'est l'explosion nucléaire. Bon, on va dégager deux fois le ballon. On va prendre ça. On est là-haut. En haut de votre écran, bien sûr. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez. Yann. Hop. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Ah, il peut conclure. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Un ballon sur l'aile pour aller porter le danger. Voilà. Passe manquée. Allez, on accélère. On se fait chipper la balle. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Allez, on va jouer avec les collègues. Ça y est, West Ham est en mesure de confirmer le bouclage de ce nouveau transfert. C'est la fin du feuilleton. C'est un renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Un face-à-face à négocier. Oh là. Le but semblait tout fait. Et en fait, non. Il est malheureusement manqué le duel. Bradley qui sort, Hocken qui rentre. Yann. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Attention, grosse occasion. Ah oui, but. Super. Magnifique. Besson. Goal, goal, goal. Magnifique. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin du but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à lui. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Hop, on la dégage. Parce que c'est dans un objectif, bien sûr. Mon joueur. Hop. Et le ballon change de propriétaire. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Ah, le geste technique pour éliminer l'adversaire. Ah, bien placé. Oh oui. Et quelle efficacité. Quel sens du but. Pas mal. Un troisième but d'avance. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive. Magnifique. À repousser la pression. 3-0. Fixer la défense et à conclure tout. On en est bien là, franchement. Allez. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Là, c'est bien, on reste bien en place derrière. Avec Berg. Le ballon change de camp.
La faute. L'arbitre siffle. Coup franc à venir. Oban. Oban qui sort. Le ballon change de camp. Un bon contre à jouer peut-être. Ah. Et bien fait, attention à l'occasion. Ah, il y a encore le feu. Et voilà le but. C'est ma faute. De toute façon, soit il y avait pénalty, soit il y avait but. C'est ma faute. Le contre, c'est moi, regardez. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté c'est moi. Tout de suite la profondeur. Ensuite, les pour ma poire. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Voilà. Ben oui, bien ça. Yann. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Attention à cette passe. Et oui, ah oui. Bientôt la fin de ce match, mais encore des buts. Troisième but d'avance. Quelle démonstration. La passe D là. Magnifique. Regardez. Ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Avec Berg. Ouais, c'est bien vu cette passe. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Et c'est donc une touche. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. L'entraîneur. On est bien là. Franchement, on est bien. Regardez. Bonne vision là avec cette passe. Oui, très bon timing sur cette passe. Ouais, oh oui. Yes. Goal. Imaginez l'explosion. Frappe croisée. Incroyable. Regardez ça. Mon pied gauche. Et voilà, avec ce but, le score est maintenant de 5 buts à 1. Un festival. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Oh. Oh là là, la faute sur ce tacle très mal contrôlée. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste là. Et l'arbitre brandit le carton. Ah, il m'a fait voler. Hein. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Yann. 2 minutes additionnelles minimum. Eh bien fait, quelle ouverture. Oh là. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort en 6 mètres. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Et voilà, on en reste donc là. L'arbitre réaffirme à cette rencontre. Premier match, une passe D, un but, voilà, donc, victoire 5 à 1. Première minute en professionnel. Et pour un jeune issu du club, c'est un sacré événement. Magnifique. Tout le monde rêve de débuter comme ça, en marquant un but. Il n'y a pas mieux. Pour... Magnifique. 9,6. Nickel. Hop. Allez. On va simuler jusque là.
on va augmenter encore notre... Hop, et on va prendre de la vitesse, bien sûr. Ah, ça coûte quand même... Hop, voilà. Oui, voilà. Tac. Défense arrière droit. 1m70. 80 kg. Ah, je suis pas très grand. Hein. Je suis pas très grand. On commence toujours en plaçant, du coup. Allez, on joue le match. Alors cette fois-ci, je suis défenseur central droit. Il y a 0-0. Et je rentre toujours à la 60e minute. Ce petit temps de chargement toujours. Contre le Derry City. Pendant cet arrêt de jeu. On va voir si ce changement va leur permettre de prendre l'avantage. Hop. Et je crois que je suis capitaine si je me trompe Nous pas. Dans les 30 dernières minutes Hop. De la rencontre. Voilà. On va montrer d'entrée. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Oh là là. Et le ballon va échouer sa trajectoire très loin du but adverse, ça passe donc largement à côté. Très mauvais ça. Allez, c'est pas grave. Il n'y a rien qui va dans cette frappe. Oh là. Et voilà, ça sort en touche. C'était dans les tuyaux, mais la direction de Tottenham confirme à l'instant le bouclage de l'opération. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Voilà. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Allez, on fait monter le bloc. Oh oui, vas-y. Oui, la belle incursion là. Oui, le tir. La faute, l'arbitre. Oh, pénalty pour nous. Pénalty. Ah non, coup franc. Bon, pour qui? Ouais. Moi. Je demande la VAR là. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Yann. Mais. Et c'est récupéré ça. Bonne possession offensive. Ah oui. Allez, corner. Corner à suivre. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement. Bradley qui rentre, Martin qui sort. Là. Ah, il faut bien négocier ce ballon. On revoit cette frappe. Moi, je la voyais dedans. Bien vu ça, le ballon en profondeur. Oh là là, la petite mine. Encore. Voilà, bravo gars. En défense, belle anticipation. Oula. Très important. Oula. Il permet de maintenir son équipe dans le match. Ouais, c'est pas fini, hein. Le danger n'est pas complètement écarté. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Touche à venir. Oh
Ah non, pas là. Putain. Mais c'est pas là. Je voulais jouer rapidement. Les deux équipes le savent. Marquer maintenant, c'est le moment idéal. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Oh non, mais... Avec l'interception et le ballon est récupéré. Voilà, vas-y, accélère, accélère. Et ici l'occasion pour mener. Et but. Oh ban. C'est terrible pour l'adversaire. L'impensable, l'impossible. Ce que n'aurait jamais imaginé. Avec ce but en toute fin de match. Joli Oban. La relance est complètement asphyxiée par la pression. Allez, oui, on manque le bloc là. Un bon ballon et un but. C'est un moment clé dans ce match. Ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Voilà, les gars. Ah oui. Oh, oh magnifique. Belle passe. Ah, oh, joli. On la revoit à l'action, le ballon qui nous revient et une... Regardez ça. Pour l'envoyer au fond de filet. Très bon. Oh là là. OK. Ça fait donc 2 à 0 maintenant. Magnifique. Allez, on verrouille, on verrouille. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah, j'ai cru qu'il allait partir. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Et on en reste là. Ouais, voilà, fin du match. Victoire 2-0. Voilà. Oban et Hocken qui a marqué. Quasiment parfait de leur part. Bien joué. À un moment, on les a sentis véritablement en danger. Ce brassard me va bien, je trouve. Magnifique. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Regardez. Bon, cette frappe, oh là là. Ah oui, catastrophique. Et on n'est pas dans les meilleures notes, hein. Malheureusement. On redescend un peu dans la jauge du manager. Bon, mes petits Phoenix, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je suis très fier de vous présenter ma carrière sur FIFA 23. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne Yaya Phoenix. Je vous dis, passez une bonne fin, bon après-midi, pardon. Un bon début de soirée et à bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous, bisous.